Et ensuite, dans notre pays, depuis le début de la Troisième République, il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc, de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Ils vous ont formaté. Le court terme, c'est facile. Ils n'auront pas tout le monde, mais on ne croit jamais ce qui passe entre les gouttes. Absolument, on verra ce que ça va donner, mais nous espérons que tout ira beaucoup mieux. Déclenchez la séquence de confession Z-5. Veuillez parler au signal sonore. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Identification de la voix terminée. Oui, mon fils. Quelle est l'origine du mal? En un mot, eh bien, ce sera un mauvais usage de notre liberté. Dieu nous a créés libres parce qu'il n'y a pas d'amour possible s'il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'amour entre un robot et un humain, entre une machine et un humain. Il n'y a pas de vertu s'il y a une nécessité. Si la chose fait nécessairement cette chose-là, il n'y a pas de mérite. Donc il faut la liberté. Il fallait la liberté pour pouvoir avoir ce commerce d'amour entre Dieu et sa créature. Les hommes désirent être immortels, c'est pas là le problème, c'est normal. Les hommes désirent ne plus souffrir, tout à fait logique, normal. Mais ils veulent y arriver par leurs propres moyens. Ils ne veulent plus y arriver, ils ne veulent plus que ce bonheur, que cette surélévation, eh bien, leur vienne de Dieu. Ils veulent y arriver par eux-mêmes, sans Dieu. C'est l'essence du péché. Vouloir être comme Dieu, sans Dieu. Alors qu'en effet, notre vocation est d'être comme Dieu, mais par Dieu. Saint Athanase le dit autrement, privé de la pensée de Dieu, donc séparé dans cette finalité, de cette soumission à Dieu, privé de la pensée de Dieu, tourné vers le néant, les hommes sont privés de l'être. C'est tout à fait logique. Dieu, c'est l'être. Dieu, c'est la source de toute vie. C'est le premier être. C'est la cause de toute chose. C'est le principe de tout. Et donc, plus on s'éloigne de ce principe, ou si on s'en sépare définitivement, eh bien, alors on retend vers le non-être ce que nous étions, puisque nous avons été tirés du non-être par Dieu. Parce que l'humanité, depuis ce péché, ne vit plus par l'Esprit, selon l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que dit notre Seigneur. Il parle de ces morts-vivants, de ces hommes qui sont corporellement vivants. Ils ont bien une âme rationnelle et un corps, mais spirituellement, ils sont morts. Et dans l'Évangile, il dit à un moment donné, notre Seigneur, laissez à quelqu'un qui veut le suivre, laissez les morts ensevelir les morts, ne vous occupez plus des morts. C'est-à-dire, laissez le monde des vivants qui ne suivent pas Dieu. Parce qu'un vivant qui ne suit pas Dieu, qui n'est pas uni à Dieu, est mort, comme pour Adam. Il est devenu mortel et mort dans son âme. Saint Paul aux Romains parle de ces gens-là. Ils se sont égarés, dit Saint Paul, dans leurs pensées et dans leur cœur. Leur cœur est donc sans intelligence et il a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. C'est ça aussi, ça caractérise exactement l'explosion évolutionnaire, la philosophie des Lumières. Ils se sont prétendus sages et ils n'ont fait que saccager, ils sont devenus des fous. Ils ont produit le monde avec les faux principes que nous vivons et dont tout le monde souffre, même si tout le monde ne remonte pas à la cause, malheureusement.
Je suis une saloperie de catholique. J'ai des relations sexuelles en dehors du mariage avec mon amant juif et black qui travaille dans une clinique d'avortement. Alors vive Satan !